Qui peut être surpris par cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, franchement? Ils osent tout depuis des mois, les Insoumis, donc c'est logique. C'est une étudiante qui ne peut pas rentrer dans un amphi à Sciences Po parce qu'elle est juive. Quand une organisation a pour programme politique, je vous en cite un puisque ça fait partie de leur objectif, de faire sortir les juifs de France et de les faire retourner dans leur pays. Vous pensez que c'est un programme politique républicain? Est-ce que quelqu'un autour de la table pense que faire retourner les juifs dans leur pays est un programme politique qui est normal, qui est anodin comme les autres? Moi, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Et d'ailleurs, la personne qui a dit ça est contributrice sur le site de Madame Cluzel, le boulevard Voltaire. Il a écrit des articles sur votre site. Oui, madame. A priori, ça n'est pas ce que génération identitaire. Là, vous parlez d'un exemple qui ne fait pas partie des... C'est pas vrai, madame? Ah ouais, c'est dans le programme. Je sais même pas de quoi vous parlez, mais c'est dans le programme de génération identitaire de faire revenir les... Il faut dissoudre une organisation qui dit sur Radio Courtoisie en 2015 qu'effectivement... les juifs seraient amenés, si génération identitaire était au pouvoir, à être ramenés dans leur pays. Voilà. Et effectivement, madame, vu que vous n'avez pas l'air de connaître votre site, je croyais que vous en étiez une des organisatrices, il est effectivement contributeur sur votre site. Mais c'est n'importe quoi. Oui, je demande à tout le monde de vérifier, Pierre Larty, de génération identitaire. Vous parlez du programme des gens, allez pas sortir. C'est son programme, renvoyer les juifs chez eux. Mais bien sûr, renvoyer les juifs chez eux, je vous assure que en tant qu'identitaire, toute personne se réenraciner dans son pays, y compris les juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein. Mais qui sont français. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. On dit ça parce que vous êtes complètement partie prenante là-dedans. Je le sais, madame. Je sais que vous avez aussi supprimé, récemment une interview d'un des cadres de génération identitaire sur votre site. Boulevard Voltaire, monsieur Martin Selner, mais tout le monde va pouvoir vérifier. Voilà. Sincèrement, non, attendez. Pourquoi vous coupez pas la Non, attendez, pardon, vous ne pouvez pas dire ça, pardon. Vous ne pouvez pas dire que Gabriel Cluzel soutient des antisémites notoires. Sincèrement, vous n'avez pas la preuve de ça. Elle n'a jamais dit sur nos plateaux quelque chose qui s'apporterait à ça, s'il vous plaît. Elle défend la non-dissolution de génération identitaire, dont un des porte-parole a déclaré que son programme politique, c'était de renvoyer des juifs dans leur pays. Je ne sais pas lequel pour les juifs qui sont en France depuis le XIIe siècle, et vous me dites qu'elle ne défend pas des antisémites. Bien sûr que si.